Salutations. Salutations. Aujourd'hui, on va vous présenter un grand ampli de 6 watts, le Micro Spider. Alors, petit descriptif de l'ampli. Bah, c'est un spider hein, de 6 watts, alimenté par secteur ou par pile. Donc, on retrouve 4 sons de chez Line 6, plus un son pour acoustique. Donc, ça va du clair au métal, comme d'habitude, avec les réglages de drive, de basse, de médium, d'aigu. Voilà, l'accordeur intégré. Donc, une entrée pour un micro-champ, pour enregistrer vos chants. Donc, 6 effets en tout, 2 utilisables à la fois. Donc, délai, chorus, reverb, etc., etc. Donc, une entrée pour un lecteur MP3, pour balancer votre musique et la diffuser partout dans la rue. Puis voilà, hein. Puis il y a une sortie directe pour enregistrer, pareil, sur votre ordinateur, une sortie pod. Donc, de grandes possibilités, n'est-ce pas? Alors, en plus, avec la petite poignée sur le dessus pour le transporter. On attaque, on vous passe en revue maintenant les 4 sons de l'ampli. Les 4 sons de base. On attaque avec le son clair donc. C'est vraiment très très clair pour un ampli de 6 watts. Donc on va couper les effets. Hop. Voilà, le son clair tout sec. Ça, c'est pour le son clair. On passe maintenant au son crunch. Paf! On peut lui adjoindre des effets. Donc si je veux garder le phaser, je peux sauvegarder sur le son en appuyant sur le bouton, en restant appuyé, pouf, il va se mettre à clignoter et le son sera sauvegardé. On passe au son métal. Ah, ça c'est fait. Et donc le dernier, le insane pour les gros solos ou vraiment la grosse dépravation quoi. Donc voilà, 4 sons dans un ampli petit, mais des sons Bose costauds. En conclusion, de grandes possibilités. Un grand ampli pour des petits budgets. Voilà, en espérant que le test vous a plu. On se dit à la prochaine.